peut pas sortir. On peut ne pas sortir. On peut plutôt rester chez soi. On peut sortir avec ceux qui habitent sous le même toit une fois par jour. On peut sortir pour sortir les poubelles. On peut sortir pour sortir les poubelles blanches. On ne peut pas sortir pour sortir les poubelles jaunes. On peut sortir pour sortir faire les courses sans ceux qui habitent sous le même toit. On ne peut pas sortir chaque jour pour sortir faire les courses. On ne peut pas sortir deux fois par jour son chien. On peut sortir le chien du voisin. On ne peut pas sortir son chat. On ne peut pas sortir son oiseau, ni son serpent, ni sa souris. On peut sortir faire des provisions. On ne peut pas sortir dévaliser les magasins. On peut sortir faire les courses en pensant à ceux qui ont des bras petits pour faire les courses. On peut sortir faire les courses pour les plus fragiles. On peut rentrer chez soi en faisant attention de ne pas toucher la porte d'entrée de l'immeuble. On peut rentrer chez soi en faisant attention en respirant l'air des escaliers de l'immeuble. On peut écouter le voisin qui joue du piano de l'autre côté du mur. On ne peut pas passer le mur pour écouter le voisin qui joue du piano. On ne peut pas ne pas se laver les mains plusieurs fois par jour chez soi. On peut tout désinfecter chez soi. On ne peut pas désinfecter son animal chez soi. On peut passer du temps avec ses enfants chez soi. On peut crier sur son enfant chez soi. On peut manquer d'espace chez soi. On peut voir de chez soi le voisin d'en face qui jette son enfant de 2 ans depuis le balcon du 6e. On peut voir de chez soi la mère devenir folle en pleine rue. On peut voir l'homme menotté sortir de son chez soi en face de chez moi. On peut imaginer qu'il a pété un câble dans son chez soi étroit où ils habitent à 7 en face de chez moi. On peut sentir la douceur du printemps 2020 par tous les pores de la peau depuis la fenêtre chez soi. On peut saluer sa mère de très loin si sa mère habite le même quartier. On peut entendre les oiseaux du quartier. On peut regarder un fragment de ciel sans ligne blanche qui le zèbre sans cesse de chez soi. On peut sentir le temps qui se dilate chez soi. On peut sentir le temps qui file chez soi. On peut perdre la notion des jours ou de la semaine chez soi. On peut croire qu'on est mercredi, ah non, déjà jeudi chez soi. On peut ranger, ranger, tout ranger, aspirer chez soi. On peut s'arrêter chez soi. On peut surtout rêver, rêver et préparer, préparer le demain qui arrive à nos portes, plus présent que jamais, au présent confiné. On peut y plus présent que jamais, préparer l'avenir par acte de présence. On peut vivre à présent, au présent tous présents. On peut avoir la peau sèche à force du savon chez soi. On peut avoir la peau triste en manque de caresses chez soi. On peut applaudir ensemble sur les balcons. On peut chanter ensemble sur les balcons. On ne peut pas marcher sur les pelouses des jardins publics. On peut marcher dans le jardin public sans s'arrêter. On peut marcher en prenant le soleil qui ne brille pas pour tout le monde. On peut marcher en entendant les drones qui chassent les gens assis sur un banc. On peut attraper le virus le plus tard possible pour pouvoir avoir un respirateur. On ne peut pas approcher la voisine qui a le virus. On ne peut pas approcher le voisin qui n'a pas le virus. On peut approcher le voisin dans la rue à 2 mètres de distance. On ne peut pas s'approcher à 2 mètres de distance sans postillonner. On peut arrêter les moteurs. On peut souffler. On peut nettoyer sa maison. On peut voir les étoiles la nuit et la lune. On peut ne rien voir la nuit. On peut être éreinté la nuit de travailler encore et encore à l'hôpital. On peut être croque-mort et ne plus avoir le temps d'enregistrer les morts. On peut penser que c'est la fin des humains. On peut rire en dansant dans son salon. On peut entendre les statistiques. On peut entendre ceux qui noient le poisson. On peut entendre ceux qui noient le poison. On peut entendre les langues de bois. On peut arrêter d'écouter les chiffres. On peut déboiser son mental. On peut voir les bourgeons à la fenêtre. On peut ne rien voir à la fenêtre. On peut regarder les écrans. On peut se voir sur les réseaux. On peut prendre un café sur les réseaux. On peut prendre un apéro sur les réseaux. On peut penser très fort à tout le monde. On peut penser à la solitude des malades Covid-19. On peut connaître quelqu'un qui meurt du Covid-19. On ne peut pas aller à son enterrement. On ne peut pas honorer son passage sur Terre. On peut connaître quelqu'un qui meurt pas du Covid-19. On ne peut pas aller à son enterrement. On ne peut pas honorer son passage sur Terre. On peut croire à la force de la pensée. On peut allumer une
une bougie pour celui qui meurt du Covid-19 pendant ce printemps 2020. On peut travailler dans un secteur indispensable. On peut être superflu et rester chez soi pendant ce printemps 2020. On peut être tout seul chez soi. On peut être tout seul chez soi. On peut aimer être seul chez soi. On peut mourir d'être seul chez soi. On peut marcher jusqu'au café du coin où l'on va chaque matin prendre son bain d'humain. On ne peut pas entrer dans le café du coin où l'on va chaque matin prendre son bain d'humain. On peut surtout rêver, rêver et préparer, préparer le demain qui arrive à nos portes, plus présent que jamais, au présent confiné. On peut y plus présent que jamais, préparer l'avenir par acte de présence. On peut vivre à présent, au présent tous présents. On peut être un seul client dans l'intérieur de la boulangerie, on peut être 50 clients sur le trottoir du boulanger et 100 mètres de fil. On peut ne plus avoir d'argent pour être client, on peut être un client à sec, on peut être sans chez soi, on peut ne pas pouvoir être chez soi, on peut être à ciel ouvert et sans toit, on peut être seul dans la rue quand tout le monde est chez soi, on peut crever la dalle, on peut avoir rêvé que tout s'arrête un jour comme ça, on peut sentir la terre qui respire mieux, on peut sentir ses poumons qui respirent mal, on peut être porteur sain, on peut être porteur malade, on peut être malade à l'idée d'être porteur, on peut porter secours à un malade, on peut aider ceux qui aident ceux que l'État n'aide pas, on peut vivre la nuit, dormir le jour, on peut rejoindre son amour pour dormir avec lui, on peut ne pas rejoindre son amour et ne pas dormir avec lui, on peut faire et s'agiter chez soi, on peut ne rien faire chez soi, on peut tout laisser en l'état et ne rien faire, on peut danser chez soi, on peut être masqué, on peut ne pas être démasqué, on peut être utile, on peut ne pas être inutile, on peut être inutile, on ne peut pas être passant, on peut être passeur, on peut être dépassé, on peut être trépassé, on peut être hébété, stupéfié, sidéré, on peut être sans voix, on peut être bavard, on peut être blafard, on peut être morose, on peut être mort, on peut sortir à vélo de chez soi, on peut sortir se dérouiller les jambes à toutes les températures, on ne peut pas sortir se dérouiller les jambes avec de la température, on peut compter les morts avec les infos chaque matin, on peut cesser de compter les morts, on peut saluer les vivants chaque matin, on peut porter un masque et voiler nos bouches, on peut masquer notre bouche, on peut masquer notre parole, on peut masquer notre souffle. On ne peut pas masquer mon cœur, on ne peut pas masquer ma pensée, on peut être pris du vertige des rues vides, on peut être pris du vertige de ce qui se passe derrière les murs, on peut être pris du vertige de l'enfant battu, on peut être pris du vertige de la femme battue, on peut être pris du vertige de millions d'humains entre leurs murs, on peut être pris du vertige de millions d'humains en errance, sans mur et sans pitance, on peut laver ses fenêtres, on peut prendre la poussière, on peut dépoussiérer, on peut faire du pain, on peut regarder l'oiseau qui vient picorer mon silence, on peut se réfugier chez soi. On peut se réfugier en soi, on peut ne pas se réfugier sans toi, on peut abriter un sans toi, on peut, on ne peut pas, on peut se taire. On peut surtout rêver, rêver et préparer, préparer le demain qui arrive à nos portes, plus présent que jamais, au présent confiné. On peut y plus présent que jamais, préparer l'avenir. Par acte de présence, on peut vivre à présent, au présent tous présents.